contexte. La francophonie choisit comme thème les femmes et les jeunes vecteurs et acteurs de développement. Je dis que nous sommes un peu interpellés parce que, évidemment, quand on parle d'université, quand on parle de développement, les jeunes sont là. L'université, la grande majorité, c'est les jeunes. La mission de l'université, finalement, c'est de former la jeunesse des pays, de notre pays ici en particulier. C'est pourquoi il y a une série de manifestations qui sont organisées. Ces manifestations, c'est d'abord des manifestations d'animation scientifique, parce que nous sommes dans un espace où domine la science. Donc, on a eu un colloque international sur religiosité dans l'espace francophone. Aujourd'hui, nous avons une autre grande conférence sur le thème de la francophonie, animée par d'éminentes personnalités du monde universitaire et du développement, en l'occurrence le professeur Fatou Sossar, et également Madame Mampendegay Cissé, qui est connue pour ses activités dans le domaine du développement en milieu rural. Il y a d'autres activités qui sont prévues, c'est aussi de l'animation culturelle. Et je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement et très chaleureusement le comité d'organisation dirigé par le docteur Morfay, directeur de l'unité de formation et recherche des civilisations, religions, arts et communication, comité d'organisation au sein de laquelle on retrouve toutes les composantes de notre université.